tout ce parcours euh, andin et espagnol euh, dont je vous ai parlé, euh, j'avais l'impression qu'il était difficile d'avancer sur le plan euh, méthodologique. Certes, j'avais fait des changements, dans des modifications d'échelle. Hein, de, euh, C'est très différent de travailler sur des, des néo-indiens euh, ruraux qui participent à de grandes fêtes, de <coughs> manifestations qu'on ne peut pas identifier dans leur propre lieu d'origine, leur village, etc. C'est complètement différent euh, au niveau de l'échelle l'impression, Je ne voyais pas très bien comment avancer et j'ai découvert peu à peu que la psychanalyse pouvait m'offrir un, un niveau d'intelligibilité euh, supérieur, euh, malgré évidemment les immenses problèmes euh, que la, son application euh, pose à l'anthropologie. Je me suis proposé donc de, de, re, de revoir mes matériaux avec euh, cette lecture qui met euh, quand même l'inconscient. Euh, au centre de, de la problématique, avec tout le problème que pose le, le, la, comment dire, la considération d'un concept qui est forgé sur le plan individuel, essentiellement individuel, d'en faire un, un usage pour l'étude d'un groupe, d'une société, euh, un concept qui a vraiment été inventé, élaboré au niveau de l'individu, le faire passer de l'individuel au social. Ça pose des problèmes théoriques et méthodologiques sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais peu à peu, euh, j'ai, je me suis dit que, à, à titre heuristique, j'allais adopter euh, cette hypothèse que cet outil pouvait me servir à titre heuristique et que on allait voir ce qu'on allait voir. Euh, Peut-être que euh, ça n'allait servir à rien. Et là, j'ai commencé à. Je n'ai pas abandonné les fondements euh, durcamiens qui étaient les miens dès, dès le début hein, même dans, dans mon approche structuraliste je les ai conservés et je, je les ai rendus peu à peu compatibles avec un autre niveau d'intelligibilité celui de la psychanalyse que j'ai toujours vu voulu précéder par une étude d'anthropologie classique et singulièrement structurale n'est-ce pas euh, on ne peut pas faire on ne peut pas adopter une approche euh, psychanalytique si on n'a pas euh, des matériaux de terrain extrêmement euh, précis, une ethnographie. Ça ne, on ne peut pas en faire, un, un, si vous voulez faire, en faire des, des élucubrations, euh, euh, mais une étude d'un matériel ethnographique très très précis, c'est ce que je me suis toujours efforcé de faire et euh, sans oublier d'en faire une étude plus classique, structurale, avant d'aborder ce niveau de l'inconscient. De, de euh, donc, euh, je... cette anthropologie psychanalytique complète l'anthropologie la, structurale, la parachève en quelque sorte Plutôt qu'elle ne la contredit. Et en, ce, en ceci, je me, je me sépare vraiment d'un travail que j'admire par ailleurs énormément, d'André Green, qui propose de s'éloigner de l'approche structurelle de Claude Lévi-Strauss pour aborder une anthropologie psychanalytique avec le concept d'inconscient, mais en contradiction avec une approche structurelle, ce que je ne crois absolument pas. Je ne pense pas qu'il y ait de contradiction. et J'espère l'avoir montré dans d'avoir montré cette complémentarité des méthodes structurales et psychanalytiques dans, dans mon travail. c'est là où j'ai commencé à travailler avec un petit séminaire euh, euh, du laboratoire d'anthropologie sociale au collège de france, donc euh, au lieu même euh, du structuralisme euh, autour de euh, bernard juillera, euh, qui avait développé cette approche psychanalytique dans ses travaux sur les rituels de Nouvelle-Guinée et euh, des livres comme Oedip Chasseur, des, des, des analyses vraiment remarquables qui m'ont euh, beaucoup inspiré. Euh, il, est, il, est, il a disparu vraiment beaucoup trop tôt, mais mes discussions avec lui m'ont été extrêmement importantes pour moi et fécondes. Euh, Bernard a, a, a vu dans, dans le projet que je lui avais proposé sur... Euh, l'étude des rituels andalous sous éclairage freudien. Euh, C'est lui qui m'a encouragé, qui m'a, euh, je dirais, presque autorisé à passer euh, de l'anthropologie structurelle à l'anthropologie psychanalytique. Lui, euh, puis Jacques Galigné aussi qui était dans ce séminaire, euh, Patrice Bidou, euh, Sophie Mijola et d'autres. Qui sont passés, euh, les PACO aussi, qui travaillaient sur Madagascar. Euh, on avait un séminaire où on exposait du matériel ethnographique et on essayait de porter sur ce matériel ethnographique un regard euh, psychanalytique. Et ça a été pour moi très, très fécond. Alors j'ai commencé par. Euh, regarder la semaine sainte non j'ai regardé bien d'autres choses avant mais je ne vais pas les raconter parce que ce serait trop long j'ai revu euh, mon travail sur euh, Camounias dont je vous ai parlé tout à l'heure avec euh, des, euh, des outils euh, très très les concepts freudiens de déni et de dénégation hein, euh, dans ce, cette espèce de, de dialogue impossible entre les deux moitiés l'une niant l'exégèse de l'autre. Bon, J'ai fait ça. J'ai également revu l'ethnographie des batailles rituelles en voyant dans l'une des moitiés par rapport au, au, à l'autre un objet transitionnel en suivant ainsi les, les travaux de Donald Winnicott hein, sur le, le jeune enfant et son usage des, des, des jeux. Et des objets transitionnels pour ces rapports progressifs avec la réalité. Je ne m'étendrai pas là-dessus et euh, j'en viendrai plutôt à, directement à, à mon travail sur euh, les rituels sévillants, le cycle rituel sévillant euh, sous éclairage freudien. Dans ce dans ce travail avait été la première chose que, qui m'avait frappée pour en Andalousie sous éclairage freudien comme je disais c'était euh, la mariolatrie euh, la furieuse mariolatrie des Andalous un culte à la Vierge absolument passionné et euh, qui m'avait euh, qui m'avait mis sur le chemin d'une de l'étude d'une attitude des Andalous extrêmement ambivalente par rapport à la mère de Dieu, euh, qui est à la fois euh, vierge intouchable, euh, le prototype de la, la femme de l'homme d'honneur andalous, c'est-à-dire éternellement vierge, intouchable, et euh, leur attitude complètement contradictoire avec cette conception qui est faite euh, d'un amour fou, d'une séduction. Euh, à tous égards, et d'une manifestation euh, d'un amour inconditionnel, euh, euh, très baroque, très spectaculaire, et, et, et qui m'a mis sur le chemin d'une... Euh, en particulier le, le, le pèlerinage euh, de Rossio, que j'ai étudié avec beaucoup de, de ferveur, comme les, qui, qui est absolument extraordinaire, dont je parlais peut-être tout à l'heure euh, dans le cadre de dans le cadre de mon de mon livre. Alors ce livre dont je voudrais parler maintenant, comme je vous le disais, c'est un, un rassemblement de plusieurs travaux dont je crois que je n'ai plus le temps ni l'énergie de parler, sur, le, sur la, la Mariolati andalouse, sur la semaine sainte. C'est un livre qui est paru il y a deux ans, en 2016, chez CNRS Éditions, La Passion selon Séville, et qui est une, un éclairage freudien du cycle rituel andalou. Je pense que le mieux, au lieu de faire des, des considérations méthodologiques, je crois que je viens de les faire, hein, les rapports avec l'anthropologie la, structurale et et l'œuvre de, de Freud, qui, est, qui désormais a été mon principal euh, inspirateur, euh, qui m'a permis de relire en quelque sorte un matériel euh, ethnographique euh, foisonnant, que j'ai recueilli au cours de plusieurs terrains euh, en Andalousie. Euh, pendant un temps, j'ai arrêté mes études, mon travail sur les Andes pour me consacrer à cela. Et euh, c'était en même temps un retour sur l'Espagne pour moi qui avait toujours voulu travailler là-bas, et surtout sur l'Andalousie où j'avais pa passé une, une partie de mon enfance, euh, avec, euh, puisque à cause des ascendances euh, andalous de ma mère, euh, pas andalousie, espagnole. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir avec cette culture une sorte de Comment dire, de communication presque immédiate qui ne m'obligeait pas à passer par toutes les étapes initiatiques par lesquelles j'étais passée pour les, les Indiens des Andes. Euh, J'avais l'impression d'aller directement euh, euh, au, au cœur des choses, et au cœur des rituels, et essentiellement par euh, une émotion très forte que je partageais avec euh, ces indigènes. J'ai découvert dans, chez, les, chez les Andalous euh, de grands idolâtres. C'est-à-dire des gens qui, qui sont quand même assez loin de, des dogmes et des pratiques officielles de l'Église catholique. Et j'ai décidé de, de recueillir mon matériel, euh, parce que vous pouvez, n'est-ce pas, faire en Andalousie une étude des rituels dans, en vous enfermant dans, dans les cathédrales, dans les églises, dans les maisons où on prie, les chapelets, les couvents, etc. J'ai décidé pour ma part de faire une ethnographie. Euh, des marges, ce que j'appelle des marges, c'est-à-dire des, des lieux où on ne pense pas aller voir la religion, où on est, euh, on vous dirait, mais vous êtes à, à côté de la plaque. Quand vous allez, par exemple, vous avez des processions euh, avec des Christes sanglants, euh, des scènes dramatiques sur les passes, sur les trônes qui défilent pendant la semaine sainte. Euh, des drames, le drame de la passion, et que vous rentrez dans un bar et que vous voyez des gens qui trinquent, qui bouffent des tapas, et euh, qui sont morts de rire au passage de Christ qui est en train d'expirer, euh, on vous dira Mais c'est pas là qu'il faut, vous n'êtes pas au bon endroit, euh, euh, vous devriez être là, au milieu des diacres, etc., en train d'observer les processions. Alors que, dans, pour moi, euh, le culte, les cultes de Semaine Sainte se poursuivent bien évidemment dans les bars. De toute façon, tout se passe dans les bars en Andalousie et il est hors de question de ne pas y être, euh, tant pour la corrida que pour, euh, que pour la, la Semaine Sainte. Donc, euh, et puis aussi le, les marges... Euh, je sais pas, aller voir ce qui se passe euh, sous les trônes, euh, comment sont euh, qualifiés, choisis euh, les porteurs de la Vierge, euh, comment ils sont sélectionnés par leurs euh, contremaîtres. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe euh, entre tous ces hommes qui sont sous les trônes, sous, le, sous la Vierge qu'ils adorent Il se passe des choses bizarres souvent. Bref, je, je, je me suis intéressée à des, oui, à, à une ethnographie un peu de la marge et, et dont j'ai constaté. Qu'elle me fournissait, euh, elle, me, elle me donnait une image euh, d'une religion catholique euh, complètement différente de celle qui est. qu'on croit. À, on, on croit que c'est celle-là qui est arrivée chez les Indiens. Et en fait, moi, j'imagine très bien que les, les Indiens ont été christianisés par des gens aussi païens que les Andalous que j'ai observés, avec des rites très hétérodoxes, euh, comme ceux que j'écris, je décris euh, dans mon livre. Et alors. Euh, après avoir observé, euh, après avoir eu toute cette ethnographie euh, foisonnante et très 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 intéressante, euh, j'ai finalement euh, constitué un ensemble cohérent, en l'occurrence euh, l'ensemble du rite euh, rituel de, euh, la, de Séville. Qui se compose euh, alors d'une. Euh, qui commence avec la préparation de la Semaine Sainte pendant le carême, puisque le carnaval a été interdit par le franquisme pour ses connotations politiques, parce que c'était devenu une fête de dérision politique des dirigeants. Donc le carnaval a été banni. Il se développe dans d'autres lieux, comme la ville de Cadix, par exemple, où j'ai été l'étudier d'ailleurs. Et donc la, la préparation de la semaine sainte avec le carême, ensuite le deuxième la deuxième la, 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 la semaine sainte elle même et son déroulement absolument fastueux indescriptible euh, ensuite euh, la deuxième étape la deuxième étape qui est ce qu'on appelle la corrida de résurrection qui euh, prend place à Pâques pour le dimanche de Pâques qui est suivie. De la Feria, qui est une grande manifestation qui rassemble les, 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 les Sévillans pour faire la fête à l'extérieur de la ville. Je viendrai tout à l'heure là-dessus. Ensuite, le pèlerinage à la Virgen del Rocío, qui est un sanctuaire proche de Séville, où on se rend euh, au moment de la Pentecôte. Et euh, pour finir, la fête Dieu, la fête de l'Eucharistie, Corpus Christi. Après euh, plusieurs analyses, j'ai euh, découvert ce qui pour moi a été vraiment la, la découverte que j'ai exposée dans mon livre, c'est que finalement le, le cycle rituel Sévillant se présente comme le, dépla, le déploiement euh, du triangle oedipien. Et que ce que représente le cycle rituel, euh, les différentes étapes du cycle rituel euh, sévillant sont les différentes euh, les différentes figures de, euh, du complexe d'Édipe. Et je vais expliquer pourquoi. <coughs> Tout d'abord, la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, euh, comme vous le savez, célèbre euh, le, la passion du Christ. Et euh, elle se présente à Séville sous forme de, de procession interminable. Séville est organisée en plus de 70 confréries qui comprennent des milliers de pénitents, enfin une... les confréries sont des organisations extrêmement vivantes, euh, qui sont euh, très souvent en opposition frontale avec l'Église catholique, avec le clergé officiel, la hiérarchie et en particulier l'évêque, puisque ces confréries sont des, des associations de, de fidèles euh, sans, sans ecclésiastique, qui sont souvent extrêmement riches, richesses que la l'église officielle euh, voit souvent d'un œil un peu jaloux et très puissante avec des, des hommes politiques, euh, des membres de la noblesse, des gens influents euh, qui sont euh, membres de ces confréries. et elles entrent très très souvent en conflit avec la, la hiérarchie et aussi parce que comme vous allez le voir, il se passe dans ses possessions et dans tous ces rituels, des choses très hétérodoxes et un peu bizarres pour l'Église pour catholique, qui cependant s'en est bien accommodée, sinon on n'aurait pas ce qu'on a maintenant. Et donc, euh, ces confréries euh, promènent dans tous ces villes pendant une semaine des passos, des trônes qui représentent les différents moments de la Passion du Christ, euh, des images de, de sa mère et des images du, du crucifié. Et tout au, long de, tout au long de ces processions que j'ai suivies à plusieurs reprises, plusieurs semaines saintes chaque année, euh, j'ai observé euh, effectivement des choses très hétérodoxes, très... finalement l'ambivalence des Andalous par rapport à ces personnages centraux de leur religion que sont le Christ et euh, sa mère. Je me suis aperçu d'abord que euh, la Mère de Dieu, la Vierge Marie, euh, inspirée au Sévillan, euh, était non pas du tout une femme, euh, la, 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 si vous voulez, la mère d'un homme de 33 ans, le Christ, hein, c'est-à-dire une femme quand même, pour l'époque surtout, une femme âgée, euh, mais que c'était une jeune fille de 18 ans, une jeune fille en fleurs, absolument ravissante, d'une extraordinaire sensualité entourée de, de fleurs odorantes, de parfums, de cierges scintillants, ornée, mais vraiment comme un mannequin, si vous voulez, et surtout d'une jeunesse tout à fait euh, euh, délirante. Je veux dire, c'est une figure... Euh, euh, de... Alors la Vierge est toujours représentée comme une femme assez jeune, hein, dans, toute la, dans, la, dans toutes les images, dans l'iconographie icono, euh, chrétienne. On voit jamais une vieille femme sauf bon des peintres quand même de la renaissance italienne parfois. Mais donc une, une jeune fille très attirante, très séductrice. Et dans les processions, les Andalous expriment, ils sont complètement séduits, ils sont complètement... Vous entendez des, des choses... Écrit, euh, putain, comme tu es belle, cette année, tu encore plus belle que l'année dernière. À côté de moi, Raphaël qui me dit euh, de la, la, la virgine de Triana, euh, qui est la patronne des, des mariniers qui, a, qui ont eu beaucoup de contact avec Cuba et, et avec l'Amérique. Euh, regarde, regarde là, regarde l'Espérance de Triana comme elle est cette année, euh, comme elle bouge son cul. Euh, on voit bien que c'est la patronne des mariniers, elle bouge son cul comme une cubaine. Oh, d'accord quand vous voyez vous entendez ça et puis vous voyez à côté les, les, les gens qui circulent sagement à côté des images le Christ qui agonise à côté Bref vous avez des, des, et vous avez j'ai observé, euh, euh, observé en même temps des comportements dans les processions euh, euh, notamment dans, dans ce qu'on appelle euh, euh, j'ai observé des comportements euh, tout à fait hétérodoxes, dont je peux vous dire un, un mot. Des comportements euh, hétérodoxes et même parfois euh, euh, choquants. Vous avez, euh, je vous parlais tout à l'heure des bars, par exemple, des bars qui sont pour moi des lieux de culte autant que, que les églises. Hein. Je, vous avez des, des, des bars qui. Euh, des, <coughs> le programme. Des, <coughs> Séville, la presse de Séville publie euh, des. Des, des programmes, des différentes confréries qui vont circuler dans la rue. Tel jour c'est la confrérie machin, jeudi, mercredi, mercredi saint, jeudi saint, vendredi saint, etc. Il euh, y a une hiérarchie entre les divinités évidemment, hein, très complexe. Là je vous dis vraiment à grands traits. Et vous avez des, des programmes euh, le Christ, euh, la troisième chute euh, du Christ, euh, le, le, le Christ agonisant. Et à côté vous avez euh, Artichaut frit avec jambon, euh, tortillas euh, de pommes de terre, euh, vin de Rio, machin. Vous avez un menu quasiment à côté euh, de des christs agonisants, des vierges avec des poignards, etc. Bref, vous avez dans tout le tout au long de cette semaine sainte euh, des ambivalences, qui évidemment, pour la psychanalyse, euh, c'est du pain béni, hein, c si j'ose dire. C'est extraordinaire parce que ça prouve que vraiment, il y, y a des. Il y a, si vous voulez, une attitude officielle euh, qui est quand même traversée par euh, des attitudes euh, officieuses et réelles hein, euh, tout au long de la Semaine Sainte et tout le temps. Hein. Et, et finalement, quand vous, <coughs> vous avez une attitude par rapport à. surtout par rapport à la Vierge Marie qui est extrêmement ambigu. Moi, j'ai vu la, la grande, la grande souveraine, la grande mère, c'est avec tout tout ce qu'il y a, évidemment d'héritage de, de la de la mère, de, de la déesse Cybèle des, des antiques, des, des divinités antiques, euh, la grande déesse Macarena de Séville. Euh, on appelle souvent devant les trônes des grandes divinités comme celle-là. Vous avez une foule, une petite foule qui se forme et qui forme ce qu'on appelle une avouille. Une avouille, c'est un désordre, une foule en désordre, euh, qu'on peut très bien traduire par une bulle, parce que c'est comme une bulle. Hein. Et là, euh, on était, moi j'étais dans la bulle aussi, très dangereux parce qu'on se retrouve devant des trônes qui pèsent euh, des centaines, peut-être des milliers de tonnes. Enfin, c'est des trucs, c'est comme des chars de combat, vous voyez, c'est gigantesque. Vous avez. Euh, un garde civil plus ou moins qui fait de l'ordre devant, mais et qui avance, euh, qui avance au pas euh, du contre-maître qui est devant. Les gens qui sont en dessous avancent à l'aveugle et ils obéissent à l'ordre, à l'ordre du capataz qui ordonne tout. Un petit pas à gauche, un petit alors il y a tout un langage codifié absolument magnifique pour diriger les les passes aux qui lorsqu'ils sont sous les trônes euh, que je connais un peu parce que j'avais des amis parmi ces ces porteurs de trônes. Et qu'est-ce que je vous disais Ah oui, je vous parlais de ces bulles qui se forment devant les trônes qui, qui avancent sur vous. Et là, j'ai observé des, des comportements tout à fait euh, incroyables, des attouchements, une présence du sexe euh, euh, tout à fait inhabituelle devant la figure même de la Vierge qui était devant nous, sanglotant avec des... des des larmes en diamant, euh, euh, des émeraudes sur la poitrine offertes par un torero. Je vous parlerai des liens entre le torero et la Vierge qui sont fondamentaux. Un poignard cloué, euh, les sept douleurs. Euh, enfin le drame épouvantable, et devant elle, euh, des homosexuels qui se tripotaient. Euh. Et ensuite, j'ai consulté mes, mes amis qui avaient connu cette procession euh, il y a euh, 30 ans, et qui me disaient qu'à une certaine époque, quand les relations sexuelles étaient très, très contrôlées, euh, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, l'Église était très présente, finalement, sortir dans une boule, a, dans, dans la procession, c'était un moyen d'initiation sexuelle euh, fantastique. On est à la barbe de l'Église, vous voyez. Donc des, des attitudes très mélangées, très ambiguës. Euh, euh, et finalement, ce que manifestent les... les... Et alors d'un autre côté, le Père supplicié, le je veux dire le Christ supplicié, euh, avec une espèce de complaisance tout de même, euh, dans l'exhibition des plaies. Euh, euh, dans tout le, le sang qui jaillit de toutes parts, euh, le, 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 la, muni, la minutie avec lesquelles sont détaillées la première chute, la deuxième chute, la quatrième angoisse, euh, le, euh, le la plaie, l'éponge le, le, avec le vinaigre, la linsa, euh, une espèce de complaisance dans la présentation euh, du supplicié, euh, qui là, et aussi, euh, présente une certaine ambiguïté, vous voyez. Euh, on a quand même l'impression, oui, d'une complaisance. Et donc, évidemment, j'ai très vite fait le lien entre les deux. C'est-à-dire, euh, on assiste véritablement, je, on peut le démontrer par l'ethnographie, euh, je le fais dans mon livre, qui est vraiment très ethnographique. Hein, parce qu'on dit, oui, je fais une anthropologie euh, psychanalytique, les gens s'imaginent que vous allez faire des élucubrations euh, euh, sur les le dip, oui, dit non. Non, c'est de l'ethnographie. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est démontrer que tout ça, ça marche, mais uniquement, uniquement parce que font et disent les gens. Essentiellement, d'ailleurs, plus par ce qu'ils font que par ce qu'ils disent. Pourquoi Parce qu'ils ne peuvent pas dire officiellement à l'anthropologue euh, des choses que par ailleurs ils font dans les marges du rite. Toujours dans les marges, j'étais. Et là, j'ai pu très vite comprendre que ce que célébrait finalement la Semaine Sainte, c'était le meurtre du père et le désir de la mère. De manière complètement euh, euh, manifeste, manifeste dans, dans l'anthropologie des profondeurs, que je n'aurais jamais pu voir si je n'avais pas eu cette approche, que je n'aurais jamais pu voir le fondement de tout ça. Alors là, j'ai commencé par écrire un article sur la Semaine Sainte, qui s'appelle La Passion selon Oedipe, dans l'homme, dans la revue L'homme. Et puis, euh, dans la, non, pas dans la revue L'Homme. Non, je l'ai fait dans un livre collectif, mais je ne le montre pas parce que je ne l'ai pas dirigé, euh, qui était euh, organisé par euh, Galigné, Juillera et Bidou, dans lequel j'ai écrit cet article, La Passion selon Édipe, qui était le début, en, en somme, de, de ce cycle rituel andalou, analysé par la psychanalyse. Donc, la, cette première étape très importante, n'est-ce pas, le meurtre du père et euh, le désir de la mère, qui sont vraiment euh, fondateurs de l'Oedipe de, de, de et des premières étapes de l'ontogénèse. Euh... <coughs> Ensuite arrive le... Je pourrais évidemment dire sur la semaine sainte, on pourrait vraiment détailler beaucoup plus. C'est vraiment. Alors on arrive à le, au jour de Pâques, le dimanche de la résurrection. Et là, pour les Sévillans, euh, ce qui est très particulier, et là aussi je me mets dans les marges, évidemment, il y a la messe de Pâques officielle, etc. Mais ce qui est certain, c'est que dans la tradition, euh, Pâques n'est célébrée par aucune procession. C'est-à-dire qu'à Séville, le Christ ne ressuscite pas. Il est mort, bien mort. Et enterré, on a fêté sa mort. Il ne ressuscite pas. Il n'y a pas de procession, il n'y a pas de confrérie. Il y en a une à partir du concile du Vatican, parce qu'on les a obligés quasiment. Hein, une, maintenant, il y a une confrérie qui existe de 1980 et quelques, mais pas dans la tradition, si vous voulez, de des processions andalouses. Euh, une, une confrérie de la résurrection qui est considérée comme vulgaire, inappropriée, enfin qui n'a pas du tout de, le prestige. Euh, et je vous dis qu'il est très. Parce que le Concile du Vatican, si vous voulez, a, comme, euh, a une très mauvaise. Euh, on pense que le Concile du Vatican, c'est la tolérance, c'est l'ouverture. Mais c'est la, la tolérance et l'ouverture, peut-être, pour les protestants, mais certainement pas pour les idolâtres. Euh, parce que ces rituels sont considérés comme euh, dépensant beaucoup de fric pour rien. Euh, euh, le Christ doit être quelqu'un, c'était quelqu'un de très sobre, de pénitent, de souffrant. Comment peut-on célébrer vous Voyez, c'est vraiment euh, une tendance contre ces célébrations euh, néo-païennes. Et euh, donc, je vous disais, le Christ ne ressuscite pas. En revanche, ce qui ressuscite, le jour de Pâques, c'est le premier jour du, de la saison taurine. Donc ce n'est pas euh, le Christ qui ressuscite, mais le taureau, le taureau qui revient. C'est-à-dire euh, toutes les pulsions qui ont été euh, refoulées par l'Église la semaine sainte avec la mort du Christ, etc., reviennent en trombe au milieu du soleil éclatant euh, de Pâques, sous la figure, emblème vraiment de la virilité et du pouvoir génésique du taureau. Bravo. Et euh, de cette manière, euh, on peut voir que euh, c'est en quelque sorte le retour du refoulé, si vous voulez, le retour du sexe, de, de, du, du refoulé. Une première étape, si vous voulez, après là, cette première étape de l'Oedipe, euh, faite du meurtre du père et de la, du, de, de, du désir de la mère. Le retour du refoulé sous forme de corrida. Et alors, j'analyse les corridas dans cette perspective, en particulier en faisant euh, un rapprochement entre euh, qui avait déjà été fait par quelqu'un qui, qui a beaucoup influencé mon travail, malheureusement qui était mort au moment où j'ai fait ma recherche, c'est Julianne Pitt-Rivers, qui avait euh, déjà vu dans la. Dans la corrida, euh, une véritable liturgie très proche de la messe, que je reprends, en l'enrichissant de toutes ses formes nouvelles, et puis en voyant, en reprenant aussi son analyse de. Euh, enfin, la, la, la corrida, comme l'Eucharistie, est un sacrifice. Euh, comme on en parlait tout à l'heure, c'est un sacrifice euh, humain, hein, puisque le taureau est véritablement anthropomorphisé. Et euh, il y a dans le tout au long de la corrida comme l'a montré Julianne une sorte de d'appropriation de, de la virilité du pouvoir génésique du taureau par le torero à travers les passes qui ont qui sont des passes à valeur érotique très très forte et une transmission de ce pouvoir génésique et de cette sexualité à la foule qui entoure le taureau, à travers la communication qui s'établit entre eux, et en particulier les objets que l'on jette euh, au taureau, qu'il touche, qu'il montre bien qu'il touche, hein, puisque le, le pouvoir, le pouvoir génétique du taureau s'est transmis à travers les passes, euh, et que l'origine, on pense que l'origine de la corrida finalement, c'est un rituel euh, un rituel de mariage. De, de, de noces, un rituel de noces, une fête de noces, au cours de laquelle le fiancé toré avec sa cape un toro bravo hein, au balcon de sa fiancée et acquérait de cette manière le pouvoir génésique qui ensuite allait le, le, le transformer en mari et en père fécondateur. Et là, on voit aussi à travers les capes de la corrida cette transmission du pouvoir génétique du taureau, euh, comment ensuite les objets lui sont. On lui jette n'importe quoi. on lui, jette quoi, hein, et on lui on, Même dans les villages, on, on fait descendre des bébés du, du, du haut de l'arène, des gradins, euh, pour que le bébé touche le, le taureau. Et là, on demande au taureau de toucher des, des enfants qui hurlent, évidemment. C'est épouvantable. Qu on se passe le bébé jusqu'en bas des gradins on se le repasse jusqu'en haut. Et de cette manière, euh, ce pouvoir est, est transmis. Et euh, bon, le, le, la corrida est effectivement une transmission euh, euh, de cette sexualité retrouvée, de ces pulsions retrouvées après euh, le, toute la séquence de la Semaine Sainte. <coughs> Ensuite, on arrive à la feria au cours de laquelle on va avoir une corrida tous les jours. Tous les jours, tous les jours, il y a cette espèce de reproduction du pouvoir fécondant avec une sorte de frénésie. Hein. C'est une corrida par jour, euh, une fête. La feria, c'est dans, dans, dans la théorie telle que je l'ai vue. On voit alors, si vous voulez, que les, les confréries sont des, des organisations de frères. Hein. Parce que je n'ai pas détaillé, mais vous avez dans les dans les processions ce qu'on appelle les, les pénitents qui ont des, des capuchons, vous savez euh, qu'on voit dans les dans les images de tourisme. Ce sont des frères associés et qui sont coupables. Ils portent des cierges très lourds, ils portent des croix, pénitentes et ce sont des pénitents. Ils ont commis une faute. Hein. Et cette faute, alors, dans l'interprétation officielle de l'Église, c'est la faute des péchés qu'ils ont commis, à cause duquel le Christ a été crucifié, etc. Vous voyez à travers l'ethnographie clairement que c'est une association de frères qui se sont associés pour tuer le père, n'est-ce pas Hermanos, les membres d'une confrérie sont hermanos y hermanas, des frères et des sœurs. Ce sont des frères associés qui se sont mis d'accord dans une confrérie pour tuer le père, dont ils sont coupables. Et les pénitents sont des coupables, n'est-ce pas Et on voit, on voit ça tout au long de... Euh, dans toute l'éthnographie. Donc là, euh, je vous disais, à la Feria, ce ne sont plus des associations de frères, comme ça quelques semaines auparavant, pendant la semaine sainte, associées pour tuer le père, mais cette fois, une vraie parenté, vraie, c'est-à-dire sociale, c'est-à-dire vous avez des cassettes... La Felia se présente sous forme de maisons rituelles, accolées les unes aux autres, qui sont des espèces de miniatures du foyer sévi sévillant. On reconstitue un petit salon avec les tableaux de famille, euh, euh, et là, il y a véritablement une vie sociale, ce qui n'existe pas dans les confréries, où on fait des bouffes, on, on boit énormément, on danse. Et c'est pour la première fois dans le cycle rituel sévillan des rapports sexués officiels, non plus des ouïas clandestines où on voit des attouchements euh, bizarres. Euh, euh, maintenant des homosexuels parce que maintenant c'est interdit les homosexuels, mais avant c'était les, les le sexe en général. Hein, donc maintenant là on voit à la la il y a dans ces petites miniatures de maison, les cassetas, une sexualité euh, officielle des couples qui se forment, on danse des sévillanas en couple, hein euh, j'ai beaucoup dansé des sévillanas, c'est très agréable, c'est une vie extrêmement agréable, extrêmement heureuse, et si vous voulez, c'est la recomposition dans mon interprétation, n'est-ce pas, euh, toutes ces, tout, toute cette sociabilité extrême. Euh, au cours de laquelle on trouve des partenaires, euh, des maris et des, et des épouses pour les, pour les enfants. On vous présente euh, la vraie parenté, pas des associations de frères, mais voilà mon père, voilà ma mère, voilà mon oncle, ma grand-mère. Euh, il y a des associations qui ont leur cassette. Maintenant, les syndicats ont leur cassette. Ouais, C'est la vie sociale réelle qui se reconstitue et qui est possible parce qu'on a tué le père. Euh, on, a, on a on a récupéré on a tué le père au cours de la semaine sainte on a récupéré les pulsions au cours de la corrida et maintenant la parenté est étalée au grand jour et elle est dansée mise en musique euh, dans la dans la joie et ce qui est très ambigu c'est que dans les images qu'on présente publicitaires de la feria dans la presse etc je pourrais vous montrer des tas de cartes postales tout ça on voit la semaine sainte la, la passion du christ et la feria où on danse on fait la fête dans la même euh, image dans la même image dans une image les femmes sont habillées en mantilles noires de deuil et à côté à la semaine sainte parce qu'à la cordière résurrection il y a une chose aussi que je ne vous ai pas dite un petit détail comme ça c'est que le jeudi le jeudi saint les femmes de séville s'habillent en, en mantille euh, en dentelle, avec une peinette un peu comme dans les tableaux de Goya, et vont visiter les différentes euh, églises où on expose le, le corps euh, sacré du Christ dans les ostensoires. Et ces mêmes femmes vont ensuite à la corrida le dimanche de, de résurrection et remplacent leur mantille noire par une mantille blanche, exactement les mêmes. Faisant de cette manière, il y a comme si vous voulez des, des liens qui se font entre ces différents euh, rituels qui me permettent... De le constituer comme un objet anthropologique. Ça, je pas le temps de le dire ici. Mais si vous voulez, dans chaque rituel, vous avez une reprise d'un élément de l'autre. La reprise d'une mentille, la reprise d'une musique, la reprise qui, qui, vous, qui vous informe que c'est un tout que vous êtes en train d'analyser et que vous pouvez l'analyser comme un tout. Et là, j'en suis à la feria qui est vraiment la reconstitution de la famille. Et comme je vous le disais, euh, euh, du mariage, de la reproduction. Euh, et nous allons voir maintenant l'étape suivante du cycle rituel andalou.